Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, pas de bonnet, mais une casquette pour vous parler de cette carte mère par MSI, la Meg B550. Unify, une carte mère qui se passe de RGB, qui est un intégralement noire, qui s'offre un équipement haut de gamme. On a 14 plus 2 phases d'alimentation pour le processeur. On a du Wi-Fi 6, de l'Ethernet 2,5G, la gestion du PCI Express 4.0 via le processeur pour un SSD M2, NVMe et une carte graphique PCI Express 16 X et le tarif de cette dernière est de 300 euros environ sur internet. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a une jolie boîte noire, les logos MSI, le logo MEG pour dire dans quelle gamme on est chez MSI. On a le marquage B550 Unify pour. Le modèle. Enfin, on a un bon gros logo B550 pour dire qu'on exploite un chipset B550 pour les processeurs AMD Ryzen. Bien sûr, ça fonctionnera avec du Ryzen 3000 et du Ryzen 5000. On passe maintenant au bundle de cette B550 Unify qui sera donc. Totalement noir, on va avoir les différentes notices d'utilisation, un DVD avec les pilotes, les utilitaires, un petit logo MSI tout noir à coller sur votre tour, les petits autocollants pour marquer les câbles SATA et tout le reste là aussi c'est. En noir, la visserie pour les M2, les différents câbles avec du SATA et du câble pour le RGB. Ici, on va voir l'antenne pour le Wi-Fi et là, on va avoir une sorte de dispositif qui va permettre de créer un stand pour la carte mère. On y reviendra en fin de vidéo. On se lance donc à la découverte de cette B550 Unify. On le redit, pas de RGB sur ce modèle. On est sur une carte mère intégralement en noir, Nous, on adore. PCB noir, radiateur noir, on a de l'aluminium, ça fait un très beau mélange, c'est hyper sobre. Et ici, on a juste le dragon de la marque qui est en chrome noir. Il reprend exactement la même couleur que le petit caloduc ici. Le caloduc, justement, il va venir joindre les deux gros radiateurs en aluminium qui vont s'occuper de dissiper la chaleur des 14 plus 2 phases d'alimentation. Au centre, on a le socket AM4 et ici on va trouver deux connecteurs 8 pins. Ensuite, si on continue sur la droite, on va trouver 4 DDR4 128 Go de DDR4 maximum, 32 Go par canal et on est sur de la gestion en 5100 OC maximum. Deux connecteurs fan, ensuite le postcode, vient ensuite le 24 broches ATX, l'USB 3.2 Gen 2, on va avoir également 6 SATA, de nouveau 2 prises FAN dans la partie basse. Tous les connecteurs pour le power-on, le reset, les changements de BIOS, l'USB 3.0, euh, les HD audio. On va également retrouver deux nouvelles prises FAN et on va avoir ici une alimentation additionnelle via un 6-pin PCI Express. On passe maintenant à la partie PCI Express. Dans le haut, donc au plus proche du processeur, on va avoir un M2 en PCI Express 4X à la norme 4.0. Juste en dessous, on a un PCI Express 16X, lui aussi à la norme 4.0. Ensuite, on a la partie gérée par le chipset. On sera donc sur du PCI Express 3.0 avec un 1X, un second 1X, un 16X physique et on va avoir également 3 M2 au centre qui seront aussi en... PC Express 3.0. Enfin, on a la partie audio ici séparée du reste du PCB avec du son en 7.1. On passe maintenant à l'arrière de la carte mère. On va retrouver un PCB noir avec le renfort du socket, le renfort de la solution de refroidissement qui s'occupe de refroidir les 14 plus 2 phases d'alimentation. Enfin, ici, on voit bien la séparation du circuit audio au niveau de la carte mère. Maintenant, on découvre la carte mère sur le stand qui est livré dans le bundle. En fait, ce stand, ce sont six pieds à installer sous la carte mère qui vont vous permettre de rehausser cette dernière d'environ 6 cm, comme ça si vous voulez faire vos pré-réglages ou autres vous installez votre ventirade CPU, votre processeur, votre mémoire, votre carte graphique à l'arrière, vous reliez votre alimentation, vous démarrez le tout, vous êtes à l'extérieur de votre boîtier, vous pouvez faire tous vos pré-réglages et ensuite vous pourrez réintégrer le tout à l'intérieur de votre boîtier PC. C'est plutôt une solution intéressante pour pouvoir faire tous ces tests avant le montage final. On en termine de ce tour de cette B550 Unify avec la carte mère allumée. Comme on n'a pas de système RGB, clairement, on n'a pas grand chose à voir sur cette dernière. On va avoir le reset et le power on qui s'illuminent en rouge. On a le post code dans la partie haute qui sera également illuminé en rouge. Enfin, on a le petit, la petite diode blanche ici qui vous renseigne sur l'état de démarrage de la carte mère. Vous l'avez vu, le tout est monté sur le stand. On a placé l'alimentation à côté. C'est relativement pratique pour pouvoir faire tous ces tests auparavant, comme on vous le disait il y a deux minutes. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur notre site internet cocotone.com pour toutes nos news, tous nos tests, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne aussi rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.